Tu sais, les derbies, t'as des souvenirs quand tu les gagnes, et t'as des mauvais quand tu les perds. Un derby, y a pas de favori. Un derby, y a pas de favori. On démarre l'année, d'accord. Certes, quel plus beau match que celui-là. Recommencer la saison, l'année, par un derby. D'accord. On doit avoir envie. On doit avoir envie aujourd'hui. Match, parce qu'il y a un projet, club. Il y a des perspectives pour vous, pour le club. La motivation, elle est plus haute que chez eux. On doit voir sur le terrain, ça. Il y a une différence de motivation. Même si pour eux, ce match-là, il compte beaucoup. Ok. On parle. Mais avec le staff, on s'est demandé ce que ce match représentait pour vous. On aimerait bien avoir, sentir un peu ce que ça représente pour vous. Donc tous, vous allez passer là, vous allez mettre un mot, un verbe, une petite phrase. Pour vous, ce que représente le derby. Plaisir aussi les gars, plaisir. Content que mes efforts ils aient payé aux yeux du coach et voilà, j'ai toujours travaillé pour en arriver là donc.
Ça veut dire que les 5 joueurs là, rapidement, vous me gagnez des temps. Rapidement, vous montez. Vous attendez pas. Là, j'ai le patron derrière. J'ai des sentinelles là qui montent. Et là, c'est prime de 5, vous devez être là et vous devez être là. Ensemble. Jules a expliqué des choses, il a raison. Mais les défenseurs aussi, il faut essayer d'être plus haut encore pour qu'on soit plus compact pour récupérer le ballon plus haut. Là. Ok, on va le chercher. Ensemble. Okay. 1, 2, 3, vas-y. Il est plus serré, ça a été plus et après il a la liste. Là, c'est mon but. Come on!
ça a été un match à rebondissement. Voilà, c'est les derbies comme on les aime, tendu, nerveux. Donc voilà, félicitations aux joueurs pour n'avoir rien lâché et être venu prendre ce point. Et le troisième but à la dernière minute, c'était la cerise sur le gâteau.